Bonjour, je m'appelle Florence Marcandella, j'ai 57 ans. Je suis arrivée à Nemours dans les années 2000 avec mes trois filles. Cela fait maintenant un an que je suis donc adjointe avec une mission sur le commerce et la formation. Quand je suis arrivée à Nemours, j'ai eu la chance de participer à ma première édition de la Foire de la Saint-Jean. J'ai trouvé que c'était un événement fantastique que je n'avais vu nulle part ailleurs. Et maintenant, je suis même présidente de la Foire de la Saint-Jean. J'ai souhaité aussi que mon engagement soit encore plus inscrit dans la vie de la collectivité. Et donc, je me suis rapprochée de Madame Valérie Lacroute pour lui proposer de rejoindre son équipe et pour être active au sein de la municipalité de Nemours. Il y a toute une dynamique que l'on veut déployer au sein de la partie commerçante du cœur de ville de Nemours. Nous avons mis en place depuis l'été dernier une boutique éphémère pour permettre à des commerçants de venir essayer de s'installer à Nemours. La ville s'est dotée d'un manager de centre-ville, Félicien Daniel, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être auprès de tous les commerçants de la ville de Nemours pour pouvoir les aider dans les périodes difficiles comme ce que nous pouvons vivre avec la Covid, mais aussi dans les autres moments de développement et aussi pour tous les nouveaux commerçants qui veulent venir s'installer, pour les aider, les guider, évidemment les recevoir et que dans les années à venir, ils soient toujours présents sur Nemours. Dans les engagements aussi que nous avions pris pour aider le commerce de centre-ville dans l'embellissement, il a été voté en conseil municipal une aide pour tous les commerçants de Nemours depuis 2021 pour la rénovation des vitrines et pour l'installation ou la rénovation des storebans afin qu'on retrouve une unité et des boutiques qui soient encore plus attirantes pour les clients. J'ai la chance d'être aidée par Elodie Lab, qui est conseillère municipale déléguée à la formation. Du coup, nous avons mis en place, en partenariat avec les acteurs de la ville, une boutique de l'emploi qui permet aux personnes de Nemours et de la région qui cherchent un emploi de venir trouver dans un même lieu toutes les offres. Il y a un grand projet aussi qui nous anime, qui est porté par la communauté de communes du pays de Nemours, qui concerne les jeunes de notre territoire, qui est l'installation d'un campus connecté. La ville de Nemours a la chance d'avoir été sélectionnée pour participer au programme Cœur de ville, ce qui va nous permettre d'avoir des actions focus sur le cœur de ville, de redynamiser le cœur de ville grâce au tourisme, grâce à des animations commerciales, grâce à beaucoup d'autres interventions de tous les services. Ça sera un programme très transversal qui permettra de nous donner un nouvel élan à notre belle ville de Nemours.